Sur la population smartphone Europe des 5, ce taux s'élève à plus de 76%. Et de la même manière, la messagerie instantanée aujourd'hui en termes de croissance sur un an, on est à plus de 76%. Tout ce qui est partage de vidéos et de photos sur le mobile, plus de 61% de croissance. Les sites... On a besoin d'échanger rapidement et simplement. On a besoin de se créer une véritable base de données de rencontres et si possible, que cette base de données soit immédiatement consultable. On a également besoin, bien évidemment, d'utiliser un outil interactif, tel qu'un smartphone. Et on a surtout besoin d'aller au-delà de cette simple prise, on va dire, primaire de contact. Donc face à ces besoins et à cette analyse, la société AppJet a donc développé une application, donc Mob Network, qui est aujourd'hui, je tiens à dire, disponible sur l'Apple Store de manière gratuite. Donc je vous invite, si vous avez donc des iPhones, à la télécharger. Donc, et pour tous les autres modes alternatifs, il n'existait pas de programme pour inciter le voyageur à se déplacer avec ces modes alternatifs. Et donc nous sommes partis de ce constat pour créer le programme Soleios, programme donc de fidélisation des voyageurs usagers des modes de transport alternatifs à l'automobile en solo. Parole pour influencer la vie locale. On est parti en créant Civilis d'une intuition qui était que, certes, Internet aujourd'hui permet de changer le monde. On l'a vu, le peuple prend le pouvoir et les réseaux sociaux y sont pour beaucoup. Mais avec l'arrivée du mobile, ça permet d'amener Internet et les réseaux sociaux au niveau local, c'est-à-dire d'emporter Internet avec soi. Et là, notre idée était que Internet, ce n'était pas le monde à part auquel on se connecte quand on est rentré chez soi ou quand on est au bureau, mais vraiment quelque chose qui nous accompagne au quotidien. Et donc ce mouvement de prise de pouvoir des internautes allait aussi s'appliquer à la vie locale. Média, pour vous présenter Calédomic, donc un dispositif de parcours culturel augmenté qui a été conçu au moment des 3 jours de folie de Muséomix et qui aujourd'hui est donc coporté par 3 structures. Antaïka de Olivier Néraud qui s'occupe de la solution logicielle, technique, Le Ventourne donc qui fait le storytelling, le scénario d'usage, et Frédéric Santune, photographe ici présente, qui fait le design d'interface. Vous faites quoi du storytelling, c'est ça?